Good morgen, Ale Yiden. Les tu seras aujourd'hui le Nishmat Moshe Michael ben Machlouf, Amram, Yona ben Hanapik ben Esther, Nissim ben Nahouda et Sarah bat Hanan Rachel. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah Kotei Tel 5 minutes éternelles, nous étudions Mesechet Avodah Zarah, Perek He, Mishnah Dalet. Hamaniach Yeno Bakaron O Basefina Vealach Lo Bekapandaria. Nichnas la Medina Verachatz Mutar. Im Hodio Shou Maflig, Kede Shishtom, Listom, Igov. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. כדי שיפתח ויגוף ותיגוף. המניח נוכרי בחנות, אף על פי שהוא יוצא ונכנס, מותר. ואם הודיעו שהוא מפליג, כדי שישתום ויסתום ויגוף. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כדי שיפתח ויגוף ותיגוף. Cette Mishnah-là est presque le même principe que la Mishnah précédente, où là-bas on parlait de celui qui déplaçait du goy qui transporte un tonneau de vin qui est fermé, mais pas complètement avec deux couvertures, avec deux chotem et torchotem, c'est-à-dire avec deux fermetures sécurisées. Et maintenant, on va revoir cette même situation, sont encore deux cas de figure. On expliquera la nécessité de répéter trois fois la même halakha en fait. Pour le moment, on traduit Amaniach Yeno Bekarom, celui qui va laisser son vin dans un caron. Un caron, c'est une calèche où il y a du vin, c'est-à-dire une charrette. Ça se ressemble, charrette. Oh, basefina, ou encore dans un bateau. Ve'alachlo bekapandaya. Et une fois qu'il a laissé son vin avec le goy, donc sur la charrette, ou bien sur le bateau, lui-même n'est pas monté à bord, ou n'est pas monté dans cette charrette, mais halachlo bekapandaya. Il est parti par un autre chemin, plus court. Donc il est en fait, il rôde autour de l'endroit où se trouve le goy avec son vin, mais sans être vraiment à côté de lui exactement. Alors dans ce cas-là, la Mishnah enseigne, sache que même si nichnas la Medina verachatz mutar, même si ensuite il est rentré au pays, c'est-à-dire dans une ville, et il est même parti au bain public, quelque chose qui prend 2-3 heures, donc il a laissé le goy isolé pendant 3 heures avec son vin, alors que son vin n'était fermé qu'avec un simple bouchon, malgré tout, mutar, le vin reste permis à la consommation. Par contre, im hodio shu maflig, par contre, s'il a dit au goy qu'il va être maflig, il va s'éloigner, partir loin de là, qu'il a une petite course à faire de 2 heures et qu'il revient, dans ce cas-là, alors, à partir du moment où kedesh ishtom veistom veigov, s'il a laissé le vin suffisamment, le temps suffisant pour pouvoir faire un trou, parce que pour rendre le vin il y a une esser, le goy doit mettre la main, doit toucher le vin. Et ensuite, qu'il ait ensuite le temps de refermer, de boucher, veigov, et que ça sèche sa fermeture, alors le vin sera, donc s'il a laissé ce laps de temps, qui peut durer, disons, un petit quart d'heure, alors, dans ce cas-là, le vin sera interdit. Bien sûr, on va tout expliquer plus dans les détails. D'abord, j'ai un intérêt à présenter toute la Mishnah d'abord. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, kedesh yiftach, veigov, veitigov. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, ce n'est pas, on ne va pas mesurer ça selon l'absence de temps nécessaire pour faire une ouverture et refermer ensuite en faisant uniquement un trou sur le couvercle, mais il faut lever tout le couvercle, shiftach, donc qui va casser complètement le couvercle, veigof, et qu'ensuite qui va pouvoir le rabattre, le refermer, vetig, et donc le refermer en étalant ensuite de la chaux ou bien du mortier tout autour du couvercle, et vetigov, et que ça ait le temps de sécher. On explique très rapidement les deux types de fermeture qu'il y a. Le principe est simple. Le goy, pour pouvoir rendre le vin à une serre, il doit nécessairement toucher le vin. Donc, si je lui donne un chavit fermé, un tonneau qui est pour le moment fermé, donc le goy ne peut pas le rendre à une serre jusqu'à ce que le goy va toucher le vin. Donc, pour toucher le vin, il a deux solutions. Soit il fait un trou sur la paroi, ou bien sur le couvercle, ça revient au même. Ouais, le tonneau, il est fait avec un socle, des bois qui montent et un couvercle qui est posé au-dessus. Maintenant, le couvercle, pour bien le fixer, une fois qu'on a fini de remplir le tonneau, on referme et on met tout autour de la fermeture. Alors, soit on met du mortier, du ciment, soit on met plutôt, il y en a qui mettent de la cire, il y en a qui peuvent mettre de la chaux. Et c'est en cela qu'on avait déjà expliqué dans le chapitre précédent, on l'expliquera ensuite plus dans les détails. Mais en tout cas, selon Tanakama, on va craindre. Si on a laissé le goy suffisamment, on a laissé le vin suffisamment de temps pour que le goy puisse perforer, faire un trou, un petit rond qui est beaucoup plus rapide, il prend une cheville, je crois que ça s'appelle, il fait un trou, et puis ensuite il peut rentrer là-bas son doigt et rendre le vin à une serre, et ensuite le refermer et le reboucher en étalant de la chaux au-dessus, de manière propre. Donc c'est une histoire de un quart d'heure, disons. Alors si je l'ai laissé un quart d'heure avec le vin,
le vin sera interdit. Tandis que d'après Rabban Shimon ben Gamliel, il faudra plus de temps. On ne va pas soupçonner, on ne va pas craindre cet état-là où le goy fait un trou sur le couvercle, mais plutôt on va craindre juste s'il va réellement ouvrir le tonneau. Et donc dans ce cas-là, il va falloir casser tout ce qu'il y a, toute la chaux ou le mortier qui a été étalé tout autour, l'enlever complètement pour qu'il puisse l'ouvrir complètement normalement, mettre ses mains dedans pour rendre le vin nécessaire, ensuite le refermer et réétaler du mortier de manière à ce que ça sèche. Ça va prendre plus de temps pour sécher. Si le premier, il fallait un petit quart d'heure, 20 minutes, pour celui-là, il va falloir une demi-heure, 40 minutes. Donc si tu as laissé le goy 30 minutes, 40 minutes, et tu lui as dit que tu allais partir loin de là, alors ton vin deviendra interdit. Bien sûr, on va apporter plus de détails ensuite, mais d'abord on avance et on découvre encore une troisième situation. Donc une première situation, c'est dans la Mishnah Gimel. Deuxième situation, c'est le premier, c'est lorsqu'on a laissé le vin sur la charrette ou dans le bateau. Et maintenant, troisième situation, c'est Amaniach Nochri Bachanout. Celui qui va laisser le goy dans son magasin pour s'en occuper. Par exemple, il a son employé goy, son gérant goy. Et là-bas, il a laissé un tonneau de vin fermé. Alors la Mishnah nous enseigne, Afalpish ou Yotse Venichnas, bien que le juif propriétaire sort et revient, et bien sache que ton vin il est toujours permis. Étant donné que tu rôdes dans les parages, le goy ne va pas se permettre d'aller ouvrir et toucher ton vin, parce qu'il sait très bien que lorsque tu vas le ramper la main dans le sac, tu vas le renvoyer, tu vas lui crier dessus, qu'il t'a permis de toucher, il a peur de toi, puisque tu ne lui as pas dit clairement que tu vas partir, donc on ne craint pas qu'il va partir enlever le bouchon et le toucher. Par contre, s'il lui fait savoir qu'il a une course à faire, je dois partir de l'autre côté de la ville, j'ai un rendez-vous important, alors dans ce cas-là, même principe, si tu l'as prévenu, si c'était un tonneau qui était complètement fermé, tu l'as prévenu que tu partais suffisamment de temps pour qu'il puisse shishtom, c'est qu'il lui fasse une ouverture. On rapporte dans le partenariat de la Mishnah d'avant, shishtom comme c'est dit sur Bilham, Shetou Ma'ain, qu'il avait un œil perforé. Donc, Kedeshi Ishtom, qu'il puisse toucher, ouvrir, faire un trou, Veistom, et ensuite reboucher, Veigov, et que ça sèche, la chaux. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, tandis que Rabban Shimon ben Gamliel va nous dire, Kedeshi Iftach, Veigov, Vetigov. Lui, il requiert un laps de temps beaucoup plus long. On ne va pas craindre qu'il va perforer et reboucher avec de la chaux, mais uniquement, on va craindre le temps nécessaire pour enlever toute la chaux, ouvrir complètement. C'est ce qu'on appelle l'iftoar, bien sûr, ouvrir. Et ensuite, l'igof. Fermer un tonneau, ça se dit toujours l'igof. On appelle le couvercle la mégoufat ravit. Donc, qu'il le rabatte et qu'il étale toute cette chaux ou mortier tout autour pour renforcer le tigof et que le tout sèche. On apporte... D'accord, c'est le même principe, donc de nouveau. On avait déjà expliqué dans la Mishnah précédente, le point de marloquette entre Rabban Shimon ben Gamliel et Chachamim, il est simple. On parle d'un tonneau qui est, où on a décidé comme mortier, comme produit à étaler pour pouvoir bien isoler et fermer hermétiquement le tonneau, on a décidé d'utiliser de la chaux blanche. Le problème, il est que, justement, l'avantage qu'on a pour la chaux, c'est que lorsqu'on va vouloir faire un petit trou sur le couvercle, on va pouvoir ensuite... Comme ce qu'ils nous font les peintres, là, quand il y a un petit trou dans le mur, et ben ils mettent du spartel, ils mettent du, comment ça s'appelle en français, du plâtre, une sorte de plâtre comme ça, spartel américain. Et donc le même principe, il va se permettre de faire un trou dessus, et puis ensuite, il va utiliser du mortier, de la chaux pour le fermer, et il va le lisser très bien de manière à ce que tu ne vas plus rien voir. Le problème, il est que lorsque tu vas ouvrir le couvercle, tu vas remarquer qu'il t'a fait un trou ici. Alors c'est en cela qu'ils discutent Rabban Shimon ben Gamliel et Chachamim. Est-ce que le goy va se permettre d'ouvrir en faisant un petit trou et de perforer et ensuite en le refermant, tout en sachant que peut-être que finalement, lorsque tu vas ouvrir ton tonneau, tu vas réaliser qu'en fait il s'est permis de le perforer, parce que lorsque par l'intérieur, tu vas réaliser bien sûr que ce couvercle a été perforé. Sans cela qu'ils discutent. Chachamim nous disent que le goy, lui, il va pas trop réfléchir, il va dire non, il n'y a aucune raison qu'il va se mettre à ouvrir. Commencer à voir est-ce que le couvercle du tonneau a été perforé ou non. Donc de ce fait, même si tu l'as laissé le temps nécessaire, le petit laps de temps nécessaire pour faire un trou et refermer, alors on va craindre que le goy ait déjà touché et les refermer de la sorte. Tandis que Rabban Shimon Gamliel nous dit que non, le goy, lui, il a très peur de toi et il a peur que tu vas finalement, lorsque tu vas ouvrir le tonneau, tu vas réaliser qu'il a osé toucher et que tu vas le griller
l'attraper presque la main dans le sac en fait, et il va avoir tellement peur, tellement se sentir mal face à cette situation, que tu risques de le renvoyer, de lui faire des histoires. Donc de ce fait, il ne va pas se permettre de rendre le vin yénessaire en faisant un simple trou, mais uniquement si tu lui as laissé le laps de temps nécessaire pour tout ouvrir et tout refermer. Tout le monde était d'accord, ce qu'on apprenait dans la Mishnah précédente, qu'il n'y avait pas de discussion si toutefois le mortier que tu as utilisé, c'était justement du mortier, du ciment. Alors dans ce cas-là, le goy ne va pas pouvoir refermer proprement. Parce que le ciment, on remarque tout de suite, est-ce que c'est un ciment plus récent ou plus ancien. Donc de ce fait, selon tous les avis, il ne va pas se permettre de le perforer. Et là, on parle uniquement que c'était fait avec de la chaux. Ça, c'était le point par rapport à donc, expliquer les trois cas tels quels. Maintenant, comprendre un petit peu mieux, si vous faites attention, on a à chaque fois, avant de rentrer dans le détail que si tu l'as laissé longtemps, on mentionne à chaque fois que si toutefois tu ne l'as pas prévenu que tu vas partir, donc il a peur d'approcher ton tonneau et de mettre la main dedans, de peur que tu vas revenir, tu vas soudainement réapparaître et que tu vas l'attraper la main dans le sac. Et alors là, c'est pour ça qu'on a eu besoin de répéter trois cas de figure, parce que chaque cas de figure ne pouvait pas être déduit forcément du cas précédent. C'est-à-dire, lorsque le goy transporte le tonneau, de la Mishnah Gimel, le goy transporte le tonneau, et que le tonneau il est fermé, et est-ce qu'il va se permettre d'ouvrir le pcac? D'un côté, il a la gâchette facile, il peut facilement, mais d'un autre côté aussi, peut-être que tu vas l'attraper alors qu'il a redescendu le tonneau, il va avoir très peur de toi. Chaque cas, il a son statut. Par rapport au bateau et à la charrette, alors ça a l'avantage que cette fois-ci, il se sent assez libre. Dans le premier cas, tu transportes toi aussi les tonneaux avec lui. Puisqu'on parlait du cas où qu'il transporte les tonneaux en même temps que toi. Tandis que là, dans la Mishnah Adalet, t'es plus forcément là. Toi, tu l'as laissé prendre de l'avance avec sa charrette, et tu lui dis « Ouais, je te rejoins, je traîne autour de toi, j'ai des petites courses à faire par-ci par-là, je réapparais sans arrêt. » D'un côté, imaginez bien, il se sent tout seul un moment sur le chemin, il regarde que devant, derrière lui, il n'y a pas de juif, quoi. D'un coup, il va mettre la main dedans, et le juif, il va lui tomber du ciel, par où il va venir? Donc, il aurait pu se sentir beaucoup plus en position pour se permettre de le renier nécessaire. Et la Mishnah nous dit que malgré tout, il a peur. Et la Mishnah, elle a eu besoin aussi de prendre le troisième cas du magasin, parce que cette fois-ci, dans le magasin, hein, alors là, le magasin, on peut entrer que par l'entrée principale. Donc le goy, il peut se permettre de garder un œil sur l'entrée, et puis faire son coup en douce, à la différence de la charrette, ou peut-être que le juif, il va venir par là, par derrière. Il peut moins le prévoir. Donc on aurait pu croire que c'était uniquement sur la route que je dis que le goy, il a tellement peur de toi qu'il va pas se mettre à toucher, tandis que si c'est dans le magasin, il va se sentir en position de faire son petit coup en douce plus facilement, puisqu'il a juste une entrée à contrôler. Et malgré tout, la Mishnah nous enseigne que dans la mesure où il craint que tu réapparaisses soudainement, dans tous les cas, il ne va pas se permettre d'ouvrir ton tonneau pour le rendre à une dessert, donc le vin, il sera permis. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.